Yeah, les gars, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de l'autre là, vraiment celle à qui j'ai fait la demande en mariage. Oh, je regrette déjà. Zéro respect. Non mais c'est bien, on voit ton vrai visage. Non mais ok. Pleure, pleure. Elle peut continuer à pleurer les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc avec Safa, les gars tranquillement. Choco. Hein. Choco. Choco. Choco, ouais, parce que comment tu me parles, on va appeler Choco. On va rester sur les bases de Choco. Ouais, cette vidéo, les gars, est sponsorisée par ma marque de vêtements. Non, mais vous savez elle, que. Elle a été forcée. Les gars, c'est une dinguerie. Il m'a invité pour une vidéo, il m'a dit bon, ça fait, est-ce que tu voudrais qu'on tourne une petite vidéo ensemble et tout. Je me dis bon, bah pourquoi pas, une petite FAQ, on va répondre aux questions des abonnés. Il a mis une petite story Instagram, voilà, posez-moi des questions. Et là, je vais à son local. Et je suis posée dans le club. Poser des questions. T'as eu du ping, frérot. T'as ah oui, c'est vrai. Et il me dit, tiens, est-ce que tu peux mettre, regardez, s'il vous plaît, c'est son gilet qui vend. Voilà, donc Tobias, la TB. Il a dit, je vais poser la casquette à côté de moi pour les gars, c'est, alors c'est pas vraiment ça. J'ai juste la casquette, elle était là comme ça. Mais je me suis dit, c'est une bonne occasion. Il est parti la chercher dans sa chambre. Non, mais il faut me le dire. Tu te tais, femme. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour commencer parce que vous oubliez à chaque fois de vous abonner. Je me suis dit, au début, que mes abonnés ont des problèmes dans la tête. Mais des vidéos font 300 000 vues, on a 80 000 abonnés. Je suis pas trop dans les stats, mais je me dis, c'est dommage. Ouais, en vrai, abonnez-vous à sa chaîne avec la cloche. Et la team Chocopops. La team Chocopops. Tu sais qu'on n'est pas encore mariés. Hein. On peut encore annuler. Donc. Je peux encore annuler. Hein. Ouais. Les amis, dans cette vidéo, tu peux me. Dans cette vidéo, arrête! Dans cette vidéo, les gars, t'as les mains. Pardon. Dans cette vidéo, les gars, on va répondre à vos questions que je vous ai demandées sur Instagram. Donc, l'Instagram de Choco s'affiche sur sa tête, sur son front. Voilà le monteur. Ton intro, elle est balle longue. Hein. Le monteur t'aurait du travail, donc voilà. Et moi, sur ma tête, tu mettras aussi mon Instagram. Oh, t'es trop relou. Oh, tu lui donnes du boulot. C'est parti, question numéro 1. Oh, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Là, tu vois, c'est Choco, balance la pub! Choco, balance la pub! Ça sera vivé au montage. Ah mais ça sera laissé dans mes oreilles là. Les gars, c'est Antoine qui a choisi les questions. Voilà. Antoine c'est son ami parce qu'il oublie les termes. Les gars, il y a Blasex qui m'a posé une question. Quoi? Blasix, pardon. Choco, elle connaît l'anecdote où t'as chié dans un sac plastique en Gova, tu te souviens? Comment ça t'as chié dans un sac plastique? Non, tu la connais l'anecdote, on peut passer à notre question. Les gars, on passe à notre question. Wesh, non, je connais pas du tout l'anecdote. Oh, comptez-vous faire un RP couple? Ah mon coucou, assis, comment pouvez-vous? Non, tu trolls là. J'étais à RP. Mais je suis quelqu'un qui me pose la question, comptez-vous faire. Non, mais là, tu trolls en mode de coucou. Et tout. Oui, non, mais on est d'accord que voilà, c'est du troll. Du RP couple? Oui. Tu connais du RP couple sur GTA? Non, mais je me dis après, voilà, ça peut rapporter des statistiques et des KPI. Tout pour les stats. En vrai, moi, il y a une époque, j'aurais. Mais là, j'ai grandi. Quelle époque t'aurais fait avec qui? Non, mais j'en sais rien, mais genre, pour moi, c'était juste des pixels. Maintenant, je sais que derrière, il y avait vraiment quelqu'un derrière l'écran, donc c'est bizarre. Ok. Oh, t'as bien répondu. Ah ouais, pour de vrai? T'as très bien répondu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il a déjà fait des RP bizarres avec des gars ou des filles. Ah ouais, toi. Alors là, si je ressors, la liste, elle est longue. Hein. Non, mais la dot est à combien, chef? Très bonne question. La dot est à combien? Moi, je dis, les gars. Non, bon, mais pas. Le but, les gars, c'est que la vidéo plaise à tout le monde. On va pas parler de religion, mais dans notre religion à nous, les musulmans, une vache et un mouton, c'est suffisant. C'est sûr, ce qui était convenu. Moi, j'avais dit deux moutons, hein. J'avais dit deux moutons, deux vaches, un agneau. Non, plus sérieusement, les gars, c'est beaucoup plus cher que ça, vous inquiétez pas. On le dira pas en vidéo parce qu'elle voudra pas le dire. Question numéro 3, j'ai envie de la dire. Je veux faire Tu veux aller dans la cuisine? Oui. Qui était la première personne à le savoir que t'allais me demander en mariage? Moi perso c'était Babacam. J'ai même pas dit à mes parents en premier. Que t'allais te marier? Ouais, j'ai dit avec Blaine on a parlé et tout. On pense à se marier. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait un sondage, j'ai fait un sondage derrière dans mon chat. Essayez, j'ai dit je suis trop content pour vous et tout. Mais faut voir, faut que je lui parle. C'est ce moment-là qui t'a parlé. Il a eu une bonne grosse discussion. Non, avec on a une discussion. Moi aussi c'était Saïd. Hein. Ouais, c'était même pas tes parents. Ah non, ah si, non non, pour moi c'était mes parents, je leur ai dit ouais directement En vrai c'était dur parce que c'était la première fois de ma vie genre que j'annonce à mes parents que je vais me marier. Mais en fait pour moi c'était dur, mais ma mère elle a dit bah c'est tout à fait normal mon fils, t'es amoureux, bah faut te marier, bah c'est bien. C'est génial, t'es trop content. Mignon. En vrai c'était vraiment pas ça la question. Ah c'était pas ça. Je rigole aussi, c'était ça. Mais concernant la demande en mariage, c'était ça. Tu sais que par contre, moi mes parents, ils avaient pas du tout la même réaction. Vous imaginez bien que quand c'est un homme et quand c'est sûr, c'est sûr pour les filles, la petite fille, c'est plus difficile. D'abord, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit maman, je vais me marier, etc. Elle pensait que c'était un prank. En fait, j'ai tellement pranké dans ma vie. Aïe, aïe, aïe. Elle pensait que c'était un prank. Elle m'a dit elle ouvre la caméra et le micro. C'est comme l'histoire de Pierre et le loup. Et du coup, ma mère, elle était choquée. Après, quand elle a vraiment compris que c'était réel, je l'ai missionné dire à mon père parce que j'avais pas le courage d'aller le dire à mon père directement. Et une fois que mon père il l'a su, il est venu me voir et il était tout chamboulé. Voilà. Ah mais tu m'étonnes. Mais là il est très content. Il est mais j'avoue mais moi quand on aura des enfants Inch'Allah d'ailleurs qui vont s'appeler Yanis et Mohamed, bah ça va être pareil je pense quand ils vont. C'est pas prévu qu'ils s'appellent Yanis et Mohamed. Je pense pourquoi plus à Bulle. À Bulle. Je crois là. Bah non c'est vous. Mais elle fait ce qu'elle veut, si elle veut appeler son enfant. Bowling, bowling, bowling caillou. Crotte de bique, ça la merde. À mon tour, c'est à mon tour. Ah tu lâches. Tu préfères tes abonnés ou ta meute? Voilà, il écrit, tu préfères tes abonnés ou ta meute? Ou ta meute.
s'appelle HAL213-146. Tu joues à quoi 447? Tu joues à quoi? Eh, écris bien un peu là. Eh, hey, tu préfères tes abonnés ou ta meuf? Écris bien là. Eh, hey, fais attention à toi, voilà, t'es un ouf toi. Du coup, tu préfères qui entre tes abonnés et du coup ta meuf, ta femme? Bah, en vrai, non, je rigole. En vrai, tu peux pas choisir. Maman, on me dit, tu préfères qui entre. Oh, quoi? Mais je rigolais moi. Putain, je trollais. Tu attends, mais comment ça, tu me tiens avec ta ouf? Moi, je préfère toi. Bah oui, moi aussi, je préfère toi. Donc là, t'arrêtes YouTube. Imagine, genre je dis... Oh non mais attends, mais c'est... Non, attends, c'est la question. Arrête, tu me tapes, tu es un femme battue. Mais attends, non, pour de vrai, tu préfères ta meuf ou tes abonnés? Mais c'est pour toi, on t'a posé la question, arrête de retourner ça contre moi. Non, mais oui, ok. Bah moi, c'est ma meuf, tout simplement, que je préfère par rapport à mes abonnés. Oh, trop mignon. Là, c'est pas ma meuf, c'est ma femme. Voilà, merci, on dit les termes un peu. Mais toi, par contre, toi, pour de vrai, regarde, on va la refaire. Imagine, un jour... Tu dois arrêter YouTube, mais t'auras un mec, tu dois trouver un travail, etc. Un mec ? Non, t'auras moi, quoi, ah. Dans ta vie. Et tu dois trouver. Enfin, tu devras juste trouver un travail. Donc, c'est soit en fait, je choisis mon homme, mais j'ai plus YouTube. Dans le reste de ta vie, soit ton homme ou YouTube. Mais tu pourras trouver un autre travail ou quoi ? Pas de soucis. Bah, je pense. Oh. C'est fini les chocopops, les abonnés. Oh, non, bah, je dis mon homme. Ah, là. Les gars, clipé. Bah, mais non, tu veux que des stats. Ah, putain, dommage. C'est quand votre mariage ? C'est le. Ouais, faut bipper au montage. Bah du coup notre mariage on compte pas le dire, on compte vous dire quand on sera marié. Voilà, sera comme ça tout le monde sera clair. Mais comme ça on évite, voilà, on évite qu'il y ait certaines personnes qui souhaitent porter l'œil ou alors qui souhaitent interrompre le bon lieu du mariage, voilà. Pourquoi tu parles comme Brigitte Macron? Si elle aurait pas été youtubeuse comme toi, vous seriez restés amis? Est-ce que si j'avais pas été youtubeuse, tu serais dit elle ouais? En vrai je pense que ça rajoute un plus. Ouais. Bah, je te dis tout ce qui se passe dans ma tête. Je me suis dit, attends, elle est belle, elle est gentille, elle est aimable, elle est hyper tensée, et elle est youtubeuse, on a le même travail, c'est trop bien. Non, la question que je me pose c'est, si j'avais pas été youtubeuse, est-ce non. que tu m'aurais pas parlé? Si, je pense que si. Ah, ah non, ah. Si, mais ça rajoute un plus. Est-ce que ça passe à te saouler tout le temps de devoir faire genre devant les caméras? Je peux répondre à cette question. La question elle est pour moi. Est-ce que ça se passe à te saouler tout le temps? Vas-y, si tu veux y répondre, on te laisse répondre. Non, mais faut savoir, les gars, qu'elle a eu le rôle grave du méchant, enfin de la méchante. Bah. En fait, moi j'étais vraiment amoureux et pas elle, et du coup, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Ok, pardon. En fait, sur les lives, elle... à chaque fois, Bilal, il arrivait pas à faire semblant. Et du coup, c'était à moi de faire genre, d'essayer, parce que j'arrivais pas tout le temps, mais de casser ses vannes à chaque fois quand il voulait se rapprocher, quand tu voulais faire des vannes d'amoureux, me dire les choses mignons. Et bah, j'étais là en mode, bah non. Mais voilà, mais du coup, la pauvre, elle se faisait passer pour la méchante. Qui parmi vous deux a avoué ses sentiments en premier? Alors... Non, non. Alors carrément. Ah, les mythos. Mais carrément les gars, sur sa chaîne, il y a une vidéo qui est sortie où c'était la rediff du live, on avait parlé de la même chose, exactement pareil. Je vais vous faire l'histoire rapidement, c'est simple. Un jour, elle s'ennuyait, oh, etc. Elle a dit, viens. Oh, le mytho. Elle a dit, est-ce qu'on peut sortir dehors? Je lui dis carrément, vas-y, là, prends la porte et sors en bas de chez toi. Oh, le mytho. Okay, bah, je vais vous raconter l'anecdote, ce qui s'est rien passé. Donc pour moi, c'est ça le premier pas, elle voulait sortir. Oh, le mytho. Bon, toi, c'était quoi le premier pas? Je vous explique ce qui s'est passé. On était souvent ensemble à Webedia, on faisait de temps en temps des TikTok. Et puis un jour, j'étais là, j'étais chez moi, je disais, mais grave, voilà qu'on sorte avec Bilal, avec Tobias. Mais comme je sortais à l'époque avec Timout ou quoi, genre, quand je dis Timout, c'est genre tous les autres youtubeurs avec qui je parle, mes potes, okay. Bah, let's go. Donc j'envoie un petit message à Tobias, je lui dis, t'es chaud, on sort ou quoi? Et il me dit, bah, ouvre ta porte et sort. Voilà, donc t'étais. Mais c'est pas du tout ça! Mais c'est pas vrai le contexte, c'est pas vrai! Et il y a écrit qui parmi vous deux a avoué ce sentiment en premier? Est-ce que je t'ai envoyé un message en me disant Bilal? Non, je pense que c'est moi! Voilà, il m'a avoué qu'il avait des sentiments envers moi et voilà. Putain, je sais plus quoi dire. Voilà! Alors c'est quoi le mensonge? La prochaine, de Quentin. Est-ce que vous avez un projet bébé? Effectivement, pour répondre à la question, on souhaite faire comme Valou Zépidi dans le sens que voilà, on rush. On rush, voilà, les 8 enfants. Oui, mais pas maintenant. Faudrait? Bah ouais, à mon goal serait d'avoir plein d'enfants. Ouais. Une grande maison avec plein d'enfants. Plein de petits. Prochaine question, les amis. C'était pas gênant quand tu es parti voir son père? Alors, la question, elle est hard. Les gars, ça sent le ramadan en plus parce que, elle a leur... putain. Laisse ça, s'il te plaît, au montage, je t'en supplie. Je te paye pour laisser ça. En vrai. Mais c'était trop bien. Au début, ça faisait peur. Après, on a vu que finalement, on était tous les deux des Marocains, enfin, famille marocaine. On s'entend bien. Nos parents, ils avaient le même délire. Et tout. Non mais ça s'est super bien passé. Ah oui. Mais le début, c'était vraiment stressant, ouais. C'est vrai. Très stressant. Ok, prochaine question. Vous pensez quoi de l'amitié homme-femme? Bah du coup, j'y crois plus trop maintenant. Pour vrai? Bah en fait, je me dis, Bilal, de base, tout le monde était amis. Mais c'est vrai ça. Et donc là, maintenant, on va se marier. Alors je me dis, l'amitié fille-garçon, en fait, non. Vous trouvez pas que 18 et 20 ans, c'est jeune pour se marier? Bête de question de malade. En vrai, personnellement, je trouve que non, c'est pas jeune. Ça dépend de ta maturité après. Ça dépend aussi de comment t'es. Si par exemple, t'habites toujours chez tes parents, si t'es encore en train de faire tes études, si t'as pas les moyens pour te marier ou quoi. Et même, ça dépend aussi de ton expérience de vie. Moi, je pense que ça dépend de ça, de tout ce qui et est... Et de l'amour que tu as envers ton partenaire.
Les gars, la dernière question, et je pense que c'est l'une des questions... Les plus dramatiques. Pas les plus dramatiques, ni quoi que ce soit, mais en vrai, une question qui a été beaucoup posée. Donc la question, les gars, c'est est-ce que tu étais stressé pendant ta demande en mariage? Moi, je pense que c'était un stress mutuel parce que j'étais stressé pendant ta demande en mariage. Mais je crois que vraiment, ce qui m'a stressé le plus, les gars, c'est quand je suis arrivé, c'était Marie, la prod, la chargée de prod de Michou. Elle me disait quoi? Elle me disait, oh, attention, une demande en mariage, c'est bien, un angle droit, c'est un angle droit, faut bien se mettre, etc. Non, je disais comme si elle était méchante, mais elle m'a sauvé. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de la vidéo, les gars. Bah, bisous. Merci à toi d'être venu, hein. Ça fait plaisir. Allez, salam, comme on dit si bien chez vous, hein. Chez salam alaikum. Les gars, merci à tous. Merci pour vos messages encore et encore et encore. Vous êtes vraiment des cracks, on vous aime. Plein de gros bisous. On se dit à la prochaine. Vous retrouvez tous nos réseaux en description. Mouah. Bisous.